commencer la journée par la visite d'un marché flottant. C'est vraiment sympa. Je vous mettrai le nom de toute façon hein, en barre d'informations, sur le blog et dans la vidéo. Mais c'est un marché flottant qui est sympa dans le sens où c'est très traditionnel. Voilà, c'est vraiment top, top, top. De toute façon, vous verrez les images. Et alors là maintenant, nous sommes au marché de Chatuchak, donc le fameux marché du samedi et du dimanche. Donc chaque samedi dimanche, c'est un big marché gigantesque où il y a plein de choses. Et c'est vraiment une expérience intéressante. Et c'est vraiment un endroit qu'il faut visiter si vous venez à Bangkok. Donc je vous propose de faire la visite avec moi. Ah, super. J'ai cherché ça et j'ai déjà trouvé. Bah oui, puisqu'il faut faire sa liste hein, quand on vient ici. Quand on vient ici, il faut faire sa liste. Et dans ma liste, il y avait ça. Merci Aïcha. Ok. Bon, j'essaie de trouver l'endroit où il y a la vaisselle. Mais waouh, c'est immense. J'avais oublié à quel point c'était gigantesque. En plus, avec la poussette, c'est un peu la galère. Apparemment, c'est du côté là-bas. Il y a un grand food court. Mais je dois faire demi-tour. Ma poussette, elle ne passe pas. Allez. J'ai déjà trouvé ça, les boules. Vous voyez, les petites lumières. Une fois que j'aurai trouvé ma petite vaisselle, ben écoutez, le reste, ça sera juste la découverte et de la promenade. Bon, allez, je vais essayer de passer, j'ai besoin de mes deux mains là. C'est la misère depuis tout à l'heure, je suis à la limite de tout casser, mais je pense que j'ai trouvé ce que je voulais, c'est ici. Mais on va y aller doucement parce que là, franchement, ça craint, c'est très limite pour passer. Ça y est, purée, j'ai trouvé la misère. Ok. One step. Ok. Voilà, je sais pas où je suis. Section 19, fourniture. Alors je vous conseille de prendre une carte si vous venez ici à Chatuchak, ou alors tout simplement de télécharger la carte disponible sur internet. Au moins ça vous permet un peu de vous repérer. Il y a trop de choses, c'est énorme, c'est gigantesque. Donc du coup depuis tout à l'heure je tourne en rond, c'est casse-tête. Bon. Et finalement vous vous rendez compte que même si c'est organisé par section, c'est pas forcément, par exemple là je suis dans fourniture, mais on trouve un peu de tout, il y a des vêtements, il y a de tout. Donc voilà, mais en même temps c'est ça qui fait le charme de Chatuchak finalement, c'est de se perdre et de parcourir les allées. Et voilà, j'ai finalement réussi à trouver mon sac. Je peux négocier dur. Thank you very much. Thank you. Thank you. Hello.
Voilà, il est 5h30. Je vais quitter le marché de Chatouchac. Donc, comme l'année dernière, c'était vraiment sympa. Il y a tellement de choses. Et alors, si vous voulez acheter des objets vraiment encombrants, il y a même des services de livraison comme DHL. Je sais pas combien ça doit coûter. Ça doit quand même coûter, je pense, assez cher. Mais voilà, pour le marché de Chatouchac. Maintenant, il me reste à trouver un taxi ou un tuk-tuk. Et voilà, et je vous retrouve certainement tout à l'heure pour aller au MBK. Mais bon, là, on va rentrer, on va aller se prendre une petite douche, on va se reposer un peu et ensuite, on sera reparti de nouveau sur les routes de Bangkok.